ko kisa papa ba posa motema na yo bongonga na loba maloba mai ko simba yo pozanzambe nzambe na bolingo yonde yo bongie bongina lokumu elombe lokumu ngo ya yo Welo kumweza ya yo Mokonzi lo kumwango ya yo Welo kumweza ya yo Yemande lipasuka na nyoso lo kumweza ya yo Welo kumweza ya yo Kumweza ya nyoso papa lo kumweza ya yo Welo kumweza ya yo Ya welo kumwango ya yo Sopana mabele na pesa yo lokumwe Yawe lokumwe za ya yo oh, hey, ya, hey, ya. We lokumwe za ya yo Rencontre d'abord na papa. Je sais que vous avez fait un bon moment na groupe Gaël. Kuta kapena mwakala, ta ba 2002 non? Ba 2002 mwakala, j'étais encore toute jeune là. Tango yaka. Beaucoup ta na papa Alain ngeni. Bon avec papa Alain to kutana, ils ala vraiment miracle parce que je me rappelle à l'époque il y avait un petit garçon là. Il me voyait chanter chez nous à la maison. Et lui-même il s'est dit pourquoi pas au Kenenago papa Alain Moloto Kendoyimba. Et de lui-même il est parti demander chez papa Alain. J'ai ma soeur qui chante là-bas. Est-ce que Koko Zoa a été dans le groupe Naokoya Olimba? Au fur et à mesure du travail avec nous, je dis papa je sais pas si je serai à mesure mais accorde-moi quand même une chance si je saurai travailler avec vous. Et si je ne serai pas à mesure, je vais vous dire et puis je vais laisser. Et j'ai commencé. Tant oui, au Goutabana. Non, non, j'avais commencé à la grande chorale. Ok. Oui, oui, j'ai commencé à la grande chorale. Et ça a pris du temps. Et quelques temps après, que le groupe a découvert un gars et puis ils m'ont retenu pour intégrer l'équipe mobile. Voilà. Donc c'était pas... Lorsque vous avez intégré le groupe mobile, vous avez intégré le groupe mobile? Oui, oui. Nakutaki Ezaki déjà kokende ya papa Franck oui. Et Koya ya ba kokumatisa ba ndeko ya équipe pour oui. Kosa ni na groupe. Oui. Nakuta ba papa Adams, papa ouais. Francis Semi, ouais. Il était là, papa Blaise, il était là, maman Lydie, okay. Azala Kiwana, non, non, maman Lydie, elle était déjà partie, et maman Nadège aussi, ouais. Azala Kiwana, papa Robert Ngoy et le frère, ils étaient nombreux, hein, papa ouais. Tibouye, ouais. Tout ouais. Parce qu'ils avaient une équipe moko, moi et Bélé. Alors, qu'est-ce qui faisait que depuis tout ce temps-là, on dirait que non, bandagi ko yo kanabe na te ba o peso chanceté neti yo t'as fait moi banzembo neti par exemple. Oui oui, ce n'est pas un problème à chance, non, ouais, je ne pense pas, ouais. Mais plutôt Eza et lo quoi temps, ouais. En fait, parce que quand moi j'ai intégré le groupe Gaël, na kota lo quoi liberté. Okay. Oui, c'est parce que il y avait un besoin na bato o ba kendaki, il fallait ko tia voix alto okay. Et que na besoin ne bande au monde na toza ki ata au nombre de 5 o il fallait ko luka moto moko o azo convaincre par rapport au besoin ouais. Et puis ba zoyé ba tia e place wala. Et comme le Seigneur avait permis que ezalanga et j'étais là en train de faire mon travail, c'était pas des fois ben nous gêné non non, non ça m'a jamais dérangé voilà. Ni gêné ouais. Le contraire ça m'a aidé ouais. Parce que c'est que je suis devenu aujourd'hui c'est grâce à il y a ma travail tout haut au banda ko ça là et koyé ko la wana ndesuninga la komani do nazali. Lelo, ce qui va toujours apprécier que Oyimbara bien, Ozapena na voix, Oyibi, Osale na mongongo na isa la kondengeni. Bon, je rends grâce à Dieu parce que Nzambende ayebaka, kokotisa moto na mitema bato. C'est lui qui est mieux placé de faire entrer ton nom dans le cœur des gens. Donc s'il ne le veut pas, Eza passe. Ce qui a Nzimi de convaincre les gens, pour que Bandima Ankeps, c'est lui qui le veut.
première fois vous avez eu à chanter dans le groupe Gaël ou intervenir dans Nzembo Nini, Toker Nini? La toute première fois j'ai intervenu dans le groupe Gaël. Akuna. Akuna wa kufanana na Yesu. Akuna wa kufanana na Yesu. Akuna wa kufanana na Baba. Akuna wa kufanana na Yesu. Anaweza. Anaweza. Yesu we. Anaweza. Akuna wa kufanana na. Là c'était ma toute première fois, je me rappelle, moi-même je me disais awa ou soit na yembi. Quelle a été la réaction? Il y a Bandeko, surtout Bazaki Otalayo. Oui, oui. Notamment il y a Papa Alain. Oui, oui, Basepelaka. Basepelaka. Oui, oui, ils étaient vraiment contents. Tant aux Ouagandakou, pour le Barandé. Naloba Inzambe, merci. Au moins, président Nanga Sepeli, Bandeko Nanga Basepeli. Et on continue le travail. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez Maman Anne, ouais. Parce que la musique, ça vient. Ça vient d'elle-même. Elle chante tellement beaucoup et à tout moment. Est-ce que je vous lance un défi. Tu peux me demander. À partir des chansons avant 2010. Tout ce que tu veux. Je vais chanter. Voilà. Ah, vous appelez sincère. En fait, moi je me demande, Eza Bandimbouya, Eza a vraiment Bandimbou na vie sautée. Ok. Eza Bandimbou Nzam. Ok. Peut-être que l'eau qu'on a dit, comment on sort, la toujours est basse ou différence. Okay. Ou soit que nous soyons sincères quand nous écrivons, Eza a un sentiment, la vie sautée, tout ça pour exprimer, pour tromper le peuple de Dieu. Okay. Mais ceux qui vraiment Bandimbou Eza Nzam, moi je ne pense pas que. Tous à la moi, bah différence ou à telle chanson. Ça appartient à telle personne. Obi et le belo et tindingana réfléchir na ilo mongo. C'est une question qui me vient en tête. Et le belo aboué complémentarité aboué. L'un des jours tout l'amgara aboué. Église. Bon, le problème aussi yango juste aux ala nango. Ça peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous ne regardez. Ils ont un projet, non, non. Na koko lo bate qu'ils ont un projet parce que c'est Dieu qui décide. Biso tozo mona na kaka. Nga moko ta mususu makam mususu po yoko melanga lobi. Na yebiti. Don Nzambe nda yebi lobi nanga. Kosi di sana yo émission, je ne sais pas ce qui peut se passer après cette émission. Voilà. Donc ce n'est pas à nous de décider que lobi to koko salabou. Mais s'il arrive, c'est l'œuvre de Dieu, non? Et façon dont mi pesa suko na Olian, on dirait leki ninge zalaka na ni. Ça va faire presque 11 ans aujourd'hui. Olian plus existe, les 2 ans sans compter les 2 ans de fiançailles parce qu'à l'époque je voulais pas aussi avoir de problème avec mon chef et tout. Mais ce qui est vrai, Kinshasa est le quoi facilité. Comment ça? Faire quelque chose ou soit faire sortir un projet et convaincre le cœur des gens. Et c'est le quoi facilité. Ce qui pour Nabamisusu, et ça a pris 11 ans pour que bah découvrir Bissou. Peut-être que ces gens-là ne savent pas combien de sacrifices, combien de larmes coulées pour que le lot, bah mon Bissou, n'est au Vendigo. Avec Gaël, Gaël c'est ma maison, Gaël c'est ma famille. Gaël est en complémentarité, mon côté est en Katamoussala. Mais avec Oliane, c'est maman Anne et papa Olivier. Bazo Lukaba bimisa moana. Ou bako la kisayena miswa bato. Donc quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'il fallait ajouter un peu d'énergie et un peu de concentration sur ça. Et je me suis dit, au moins, ici, sur Inazate, mes frères vont couvrir. Mais ici, sur Inazate, tout le monde. Et là, le choix est clair. Qu'est-ce que je dois faire? Tout protéger moi. Ce qui moi, comme j'ai l'âge à maturité, c'est ma maison. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Œuvre de l'Esprit sur le deuxième samedi ou le deuxième numéro pour ce mois d'octobre.
Nous vous disons merci de nous avoir choisi parmi tant d'autres. Œuvre de l'Esprit, c'est votre mission et c'est la nouvelle énergie. Voilà pour l'émission d'aujourd'hui. J'aimerais que l'on puisse regarder d'abord cet élément que l'on va vous proposer. On va y revenir pour la suite. Nous sommes là et vous avez tous compris de qui il s'agit. Ce sont mes invités d'honneur aujourd'hui, c'est parce que c'est vraiment une émission, un numéro très exceptionnel que l'on va pouvoir passer avec eux. Bonjour Pasteur Olivier. Bonjour. Maman Anne, bonjour. Bonjour papa. C'est un honneur pour nous parce que vous nous avez honoré, Bouyé, Païnabiso pour la toute première fois. Toyambibi, non, émission Nabiso, œuvre de l'esprit. Quelles sont vos impressions surtout? Merci beaucoup, ça nous fait du bien de partager avec le peuple de Dieu et surtout de nous honorer aussi, donc la joie est partagée. Merci. Pasteur, j'espère que vous direz aussi la même chose. Oui, très heureux. Oui. Je ne suis pas encore pasteur pour l'instant. Moi, je préfère bien vous appeler pasteur. Ça ne m'a pas encore consacré. Ouais. Mais on est très ravis d'être dans ces beaux cadres ici à la RTGA et nous sommes très flattés de ce que la chaîne est en train de devenir. Ouais. Voilà. Tout au long de cette émission, on va pouvoir parler que d'Olian Music. Oui. Où ils allaient structure Nabino. Ozo Kambango, c'est plus de 10 ans, je crois. Oui. Ils ont existé déjà. Mais plutôt que vous allez baser sur vos réalisations. Et mais avant qu'on y arrive, je crois que Moutouna Moutouazana parcours naïe. Voilà, à chaque fois qu'il y a une émission, il est de coutume dans cette émission que tout est moi parcours parce que ça aide au moins. Nabandeko, Yobatel Arabiso, moi confusion, Si vous avez posé la question de pouvoir vous présenter, qu'est-ce que vous allez dire de vous-même? Je suis un artiste musicien qui a commencé très tôt avec la musique. Je commençais à Lubumbashi en jouant déjà à l'Ekodim. Et c'est vers mes 15 ans que j'ai commencé à jouer au piano, toujours à Lubumbashi. Et quelques 2-3 années plus tard, je me suis retrouvé ici à Kinshasa. Ouais. Et ici à Kinshasa, j'ai été recruté à Sangomalamu. Et puis on a créé 2 ou 3 groupes. Jusqu'à ce que nous avons décidé de faire notre premier album ici, c'était en 2006, je crois, dans ta présence. Dans ta présence avec une amie. Et 2 ans après, j'ai rencontré Maman Anne en 2008. Ouais. Et c'est là où toute ma vie a changé. Et elle a chamboulé tous mes projets. Okay. Et c'est par là que nous avons commencé notre ministère. Et c'est là où nous avons pu créer Olian Music. Voilà. Donc Olian Music, si on peut bien retenir, c'est vraiment une structure qui date déjà, c'est plus de 10 ans. Oui. Ça existe et c'est un plaisir. Combien de projets déjà, combien d'albums vous avez eu à réaliser avec Olian Music? Avec Olian Music, notre premier projet, nous l'avons commencé en 2008. Nous avons fini avant notre mariage en 2010. Ouais. Mais il s'est fait que nous avons eu un problème de producteur. Et c'est né qu'en 2012, 2 ans après, que nous avons réussi par nos propres efforts à faire sortir l'album. Et après la réalisation de cet album, nous avons fait 2 autres albums qui ne sont jamais sortis à cause de moyens, jusqu'à ce que en 2016, nous avons fait sortir l'album Yahweh, là où il y a la chanson à Tambongé, Nanusilité. Et puis après, nous avons fait 2 autres albums. Moi, j'ai fait un single et maman a fait un album. C'est Zambé. Ozanzambé. Et j'ai soif. Ozanzambé d'abord. Après Ozanzambé, elle a fait un single que nous appelons J'ai soif. Mais donc, il y a eu beaucoup de projets, albums, singles, un chant, et c'est comme ça qu'on est. Aujourd'hui, vous êtes satisfait au moins du travail que vous avez pu abattre? En tout cas, c'est au-delà de nos attentes. Aujourd'hui, nous pouvons le dire humblement que le Seigneur nous a soutenus. Vous savez, travailler ici à Kinshasa, en RDC, sans producteur, avec les peu de moyens que nous avons, et rester le plus longtemps possible dans la musique, c'est un miracle. C'est un miracle. Maman Anne, je suis vers vous.
rencontre d'abord, na papa. Je sais que vous avez fait un bon moment dans le groupe Gaël. Oui. Au Kota moi Kala, dans 2002, non? J'étais encore toute jeune là. Tant que yaka. Beaucoup de temps, papa Alain. Bon, avec papa Alain, Tokutana, ils allaient vraiment miracle. Parce que je me rappelle à l'époque, il y avait un petit garçon là. Il me voyait chanter chez nous à la maison. Et lui-même, il s'est dit, pourquoi pas au Kenenago, papa Alain, Molo Tokendo Yendo. Et de lui-même, il est parti demander chez papa Alain. J'ai ma soeur qui chante là-bas. Est-ce que Koko Zoa a été dans le groupe Naopaya Olim? D'abord, papa Alain. On a sauvé papa Alain. Tourné. Et puis il a dit, non, va l'appeler comme ça, je vais parler avec elle. Et puis Dieu a fait grâce, comme on était de voisins en fait. Et je suis partie. Elle était voisine de la famille de maman. De sa femme. De maman Christine. Ah, ok, ok. Donc c'est par là qu'on s'est vu avec papa Alain. Et puis il m'a demandé, est-ce que tu seras à mesure de travailler avec nous? J'ai dit, papa, je ne sais pas si je serai à mesure, mais. Accorde-moi quand même une chance si je saurai travailler avec vous. Et si je ne serai pas à mesure, je vais vous dire et puis je vais laisser. Et j'ai commencé. Tant oui, au Goutabana. Non, j'avais commencé à la grande chorale. Ok. Oui, j'ai commencé à la grande chorale. Et ça a pris du temps. Et quelques temps après, que le groupe Bayo découvrait un gars et puis ils m'ont retenu pour intégrer l'équipe mobile. Voilà. Donc c'était pas lorsque vous avez intégré le groupe mobile Okuta Banane Nakata Gaël. Oui, Nakuta ki ezaki déjà kokende ba papa Franck. Ouais. Et koya ya ba kokumatisa ba ndeko ya équipe pour kosa ni na groupe. Ouais. Nakuta ba papa Adams, papa Francis Semi, ouais. Il était là, papa Blaise, il était là, maman Lydie, okay. Azala Kiwana. Non, maman Lydie, elle était déjà partie, et maman Nadège aussi, ouais. Azala Kiwana, papa Robert Ngoy et le frère. Ils étaient nombreux, hein, papa Tchibouye. Ouais. Ouais. Parce que ça y est, équipe Moko, moi et Bélé. Alors. Qu'est-ce qui faisait que depuis tout ce temps-là, on dirait que maintenant au Bandaki Koyo Kanabenate, bah au Peso Chanté, Neti Ochafe moi Banzembo, Neti par exemple. Oui, ce n'est pas un problème à chance, non, ouais, je ne pense pas, ouais. Mais plutôt Eza et Loko Atan, en fait, parce que quand moi j'ai intégré le groupe Gaël, Nakota Loko a liberté. Ok. Oui, c'est parce que il y avait un besoin na bato bakendaki, il fallait que tu voix alto et que na besoin ne bande au monde na tozaki ton au nombre de 5 où il fallait que luka moto moko ozo convaincre par rapport au besoin et puis bazoyer bachaye place wala. Et comme le Seigneur avait permis que ezalanga et j'étais là en train de faire mon travail, c'était pas des fois, il nous gêner, était non, ça ne m'a jamais dérangé ni gêné. Ouais. Le contraire, ça m'a aidé parce que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est grâce à ya ba travail tout haut au Banda Kosala et Koye Kolawana Ndesuninga na Komalelo Nazali. Lelo, ce qui va toujours apprécier que Oye Mbara bien, vous avez maintenant la voix, Oyebi, Kosala et la Mongongo na Isala Gondengeni. Bon, je rends grâce à Dieu parce que Nzambende ayebaka kokotisa moto na mitema bato. C'est lui qui est mieux placé de faire entrer ton nom dans le cœur des gens. Donc s'il ne le veut pas, il a pas si. Ce qui a ndimi de convaincre les gens pour que bandima an keps, c'est lui qui le veut. Donc parce que nakoki omitala na milobeli. Ah. Ça va, mais nous allons descendre. Non. Des fois, ça n'a mis tout naka. Oui. Quand les gens disent que non, ayemba kabouasara boubon. Munga mon azo mituna. Est-ce que je suis meilleur que les kabamisous? Je ne pense pas. Mais c'est la grâce de Dieu. Pour la toute première fois, vous avez eu à chanter dans le groupe Gaël ou intervenir dans Nzembo Nini, Toker Nini. Pour la toute première fois, j'ai intervenu dans le groupe Gaël. Akuna. Akuna wakufanana na Yesu. Akuna wakufanana na Yesu. Akuna wakufanana na Baba. Akuna wakufanana na Yesu. Anaweza. Anaweza. Yesu.
Yesu Là, c'était ma toute première fois, je me rappelle. Moi-même, je me disais, Awa, ou soit na yembi. Ou soit na yembi. Quelle a été la réaction? Il y a Bandeko, surtout Bazaki Otala. Oui, oui. Notamment, il y a Papa Alain. Oui, oui, Basepelaka. Basepelaka. Oui, oui, ils étaient vraiment contents. Tant aux Orandaku. Naloba Nzambe merci au moins président nanga sepeli bandeko nanga basepeli et on continue le travail. Alors par rapport parce que Tobaki cette émission est consacrée juste na ba œuvre c'est parmi ba œuvre na yo ndenge ezoya nous devrons au moins chercher à valoriser na ba émission ndenge zo le gabo et voilà pourquoi nous lançons un appel pathétique aux andeko salaka au komara livre na yo komara banzimbo na yo salaka ba makamno a bien. Dans la logique, nous ici, on ne fait pas l'apologie des déprivations de mers. Ça veut dire que moi, ma promotion, moi, ma maramoro, ya Sony, non, nous sommes là pour chercher à valoriser ces abouana na moto et qui a porté un plus pour la vie paye à Batoum Soussou. Bande kwaze bele bota la yo, na Lubumbashi, kwaze bele koutou, bota la yo. Nzem bale boso kouma yézan, nzem bale. Il y a une différence. Ok. Nzembo Aliboso, que le public bayebi, c'est très différent dans Nzembo Aliboso. Ouais, comment non? Nous on parle dans Nzembo Ata et Zala et Yembamanate parce que la plupart, Namba Rapiko tout frère José Nzita, Ebsinga Lobi. Banzembo presque à Liboso et à Komara, il est l'un de mes Banzembo Msusuka a été comme il y a un jour. Donc, on se base que sur la personne a pu produire pour la toute première fois parce que c'est ce qui vient du génie. On a besoin en fait de Yaku Lobela, Poto, Laksanabatou. Nzembo Liboso et à Nzembo. Bon. Que ce soit Oye, Ata Oye. Je ne sais pas ce qui n'a pu correspondre le quoi, papa. Papa. José Nzita. José Nzita. Banzimbo et Bélé pour les Alarazo Komati. Bon, avec le temps, tu attends que le Seigneur puisse te convaincre. Aujourd'hui, Banchon et Zali, on a fait quel chant et quel chant. Il y a des fois, tu me suis dit, je vais venir, papa, comment tu trouves, comment tu vois et tout, on arrange. Mais il y a J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, où tu es, où tu es, il y a quelques cantiques. Je peux ajouter. Oui. Ça fait déjà 13 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Il y a certains chants qui viennent comme des brides, donc comme des petites idées. Ouais. Et très souvent, quand elle a une idée, elle vient pour que nous puissions travailler. Voilà. Comme je suis arrangeur. Ouais. Et vous essayez un peu d'harmoniser. Nous harmonisons. Ouais, mais là, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez Mama Anne, parce que la musique, ça vient. Ça vient d'elle-même. Elle chante tellement beaucoup et à tout moment. Ok, je vous lance un défi. Peut-être que nous avons dit comment ça, la tozo est basse différence. Ou soit que nous soyons sincères quand nous écrivons, ils ont un sentiment de tout ça pour exprimer, pour tromper le peuple de Dieu. Mais ceux qui vraiment bandimbo ont mais moi je ne pense pas que tous ont moi la différence ou que telle chanson. Ça appartient à telle personne. Obi, et le belleux. Et si on a réfléchi, c'est une question qui me vient en tête. Et le milieu de la complémentarité, l'un des jours, tu as l'église. Bon, le problème aussi, ça peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, vous nous. Ils ont un projet. Ils ont un projet parce que c'est Dieu qui décide. Je ne sais pas ce qui peut se passer après cette émission. Voilà. Donc ce n'est pas à nous de décider que l'obi tokokyo salabou.
Mais s'il arrive, c'est l'œuvre de Dieu, non? Vous allez le faire avec tout cœur. Avec tout cœur. Je préfère être obéissante devant Dieu. Voilà, il y avait aussi pas mal de gens qui m'ont posé des questions pour savoir est-ce que. Vous avez compris la réponse de papa Olivier. Ça va faire presque 11 ans aujourd'hui. Oliane existe, sans compter les 2 ans de fiançailles, parce qu'à l'époque, je ne voulais pas aussi avoir de problème avec mon chef et tout. Mais ce qui est vrai, Kinshasa, c'est le quoi facilité. Comment ça? Faire quelque chose, ou soit faire sortir un projet et convaincre le cœur des gens. Et c'est quoi facilité. Ce qui pour Naba Misusu, et ça a pris 11 ans pour que va découvrir Bissou. Peut-être ces gens-là ne savent pas combien de sacrifices, combien de larmes coulées pour que le lot va mon Bissou de Tovandigo. Avec Gaël, Gaël c'est ma maison, Gaël c'est ma famille, Gaël ils ont la complémentarité mon côté ça mon Katia Musala. Mais avec Oliane, c'est maman Anne et papa Olivier, bazoulukaba bimisa mwana o bakola kisayina miswa bato. Donc quand on a commencé, on s'est rendu compte qu'il fallait ajouter un peu d'énergie et un peu de concentration sur ça. Et je me suis dit au moins ici sur Inazate, mes frères bakoki couvrir là. Mais ici sur Inazate Tozoboma, moi nozobota masika. Et là, le choix est clair. Qu'est-ce que je dois faire? Tout protéger moi. Ce que moi, na komi na âge à maturité. Tozoma. C'est ma maison. voilà. Merci. Je peux aussi ajouter. Moi, je trouve pas que c'est vrai qu'elle se donne plus dans Oliane que dans Gaël. Étant donné que dans Gaël, étant mariée, elle faisait parfois 2 semaines, elle n'est pas à la maison. Il y a ma prière, il y a ma prière. Ma programme voyage de Gaël. Je me rappelle, elle était entre 2 avions. Donc, Baouti, Poto, Bazongi, Balali, un jour. Et puis le lendemain, elle voyage pour le Cameroun. On est mariés. Parce que je ne suis pas mariée. Et ça vous faisait comment? Il y a au foot à bonne. Ça vous faisait comment? Oui, je me disais. Tant que raisonner moi, non, raisonner moi, non. Oui, c'est des fois ça fait très mal. Mais je me disais, ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. Et que c'est Dieu qui protège. Mais au moins, je rendais grâce à Dieu parce que Nzambe a ébi coupé ça. Ce qui a pêché, a pêché, ça a pêché le Kwakito. Parce que ce qui est là, qui n'a mis bali moussous, je ne pense pas. En tant qu'homme, au Tigani Nandaku, au changer Pampers, au salalé, biberon moi. Pendant 2 mois. Apprendre à faire manger l'enfant, 2 semaines, aux Alibandandaku. Et puis tu reviens pour Kokendeli sous. Et, vous voyez un peu. Et aussi, ça a fait rigoler un peu. Je me suis retrouvé. L'enfant avait 6 mois, ou 6 mois, notre première fille. Eux, ils sont partis à Lubumbashi. On n'avait pas le moyen. Moi, je n'avais pas le moyen de les rejoindre à ce moment-là. Nous sommes restés avec ma fille. Et 2 semaines après, je devais les rejoindre à Lubumbashi.
et je me suis retrouvé à l'aéroport, vous voyez, moi, à peine, à ce moment-là, c'est qu'on me posait la question, mais maman, moi, c'est moi, le papa avec l'enfant, et puis nous sommes partis à Lubumbashi, et eux, ils n'ont pas traîné, ils ont fait 2 semaines, ils sont rentrés pour continuer le travail ici, et moi, je suis resté aussi avec l'enfant, encore 1 ou 2 semaines, et puis je suis rentré comme ça. Donc, c'est une vie de sacrifice. Voilà, je crois que né M. Zone Gaboué, Bijou Bambi, Bambino, hein? Donc femme de l'X, l'assureur, Alinga Rabino Mingi. Ah, merci. Et puis Alouba qui vraiment, si Dieu l'aide, à Koya uniquement pour avoir mon couple. Depuis Lubumbashi, elle est en train de suivre. Nous avons dit que Oyemba, Ozanzambe na Bolingo, Ozanzambe na Bolingo, est-ce que Okoki ko faire vivre Batou ambiance en Ati en attendant déjà où est collé le je crois que ça parmi Banzimbo Oyemba pelo. Et ça parmi Banzimbo Oyemba. Voilà, ça peut nous faire du bien. Salanga na yebae bapusa mutima na yo lobanga na yoka papa na ngai mabazo ya mulimo na yo bongo ngana kokisa papa bapusa mutima na yo bongo ngana loba maloba maiko simba yo puza nzambe nzambe na bolingo yonde yo bongi Elombe lokumwango ya yo Yawe lokumweza ya yo Mokonzi lokumwango ya yo Yawe lokumweza ya yo Yemandeli pasuka na nyoso lokumweza ya yo Yawe lokumweza ya yo Siya nyoso papa lokumweza ya yo Yawe lokumweza ya yo Yawe lokumwango ya yo Sopana ma belle na pesa yo lokumwe Yawe lokumwe zaya yo oh, hey, Yawe lokumwe zaya yo Zembo nani mutakuma ngu? Papa Toms. Papa Toms, Papa Toms mutakuma Et il m'a donné Aibi singabi Sala ngonde ngozu kanisa wo sala faire vivre oyo yo zo kanisa obi misala kati ya pesa yo ka texte a pesinga ka katoki tango kotaka na studio casque na matoi wow kokota na studio casque na matoi ce qui est vrai chant cantique oyo ça me rappelle beaucoup de choses en tout cas beaucoup de choses na je sais pas je serai pas à mesure de relater ça ici, mais ça me rappelle beaucoup de choses parce qu'à l'époque j'ai traversé aussi des moments, c'était vraiment compliqué. Mais nous avons dit que mes problèmes sont aussi. Deux fois, nous avons dit que bon, je sais pas pour les autres, mais pour moi, il y a beaucoup de choses où il y a beaucoup de choses où soit na outi ko vivre quelque chose, ou soit na yembi yango et puis au vivre yango après. Bon, là, je sais pas pour les autres. Il y a des fois. Je me rappelle parmi les cantiques, Naza, ils ont des paroles, mon kona loba na chant yango. Ouais. Et quelques années plus tard, j'ai dit à papa Olivier Ngabi, waouh, il faut faire très attention avec Dieu. Il y a des choses au koki loba musiko, moyebi non pas si na moti, moyebi kilo na moti. Ils aiment malubani. Non. Peut-être. En suivant cette émission, ça va permettre à ce que Batou Bazo Talabiso, parce que Batou Bazo est belé, l'impératrice Mami Yum Bazo Talabiso, donc le cœur de l'excellence Claude Nyamungabo, donc Rambi et Bazo Talabiso, pour ça la paix bien. Batou Monsieur, parce que ça va témoignage. Oui, oui peut-être il y a un qui le batte, mais au moins dans beaucoup de cantiques, ce que l'on dit, c'est que l'on est belé, c'est que l'on est bon. C'est après que moi aussi je me rends compte
to vandelara na vandelara beaucoup plus li solo a motema na nzambe. Okay. Ma conversion avec Dieu. Okay. Nzambe atalara motema, yenda ibara motema. À chaque fois natika ka yenda zo kati na nga ayiba kati na nga. Atambonge pe mo pepe, c'est parmi les choses qu'on avait traversé ba tant moko difficile. O mon on dirait ba voisin ba monate. Ba yiba te makambo biso to ni ki sezo sukaka entre biso. Et un jour tant on aye to ye ko sala la chanson. Parce que à Tambongi pour mon pépon, on avait pris juste le refrain. Et ma parole, tout où il en a nassé, c'était par rapport à tout ce qu'on traversait. Et je me suis dit, pourquoi pas Natika Nanamonga Moko? Peut-être je pense que je suis la seule qui a traversé ma situation. Mais tant que je suis tous amis balé, tous amis sato, il y a l'autre qui cherche à céder. Mais. Il ne sait pas que moi aussi je traverse la même situation que elle, que lui. Pourquoi pas tout simbana maboko, même de loin, tout koba, tout persévérer. C'est facile. Il y a qu'un couple, na muto bozo salani musala moko, moi andenge zala kakaka, bozo la union, complémentarité, on zala en continuité, tout zala en boucle, continuer zala. Est-ce que c'est vraiment facile? Parce que la plupart des gens disent que non, c'est pas facile. À gérer surtout les émotions des uns ou des autres. C'est facile pour Nayo. Ça veut dire ou c'est que avantageux pour Nayo. Si c'est facile, si je travaille avec Papa Olivier. Voilà. Oui. En fait, pour nous, on fait la part des choses. Hein. S'il faut travailler, moment où on est un moment capricieux, il y a Bisso Mbali. Tout ça, à part Nabisso, Otokoki, faire vivre Bolingo Nabisso. Et puis tant à Moussala, ils attendent à Moussala. Voilà. Tant à Moussala, ils des fois, ils sont coincés, ils sont des fois, ils sont coincés, pour les heures à Moussala. Voilà. Et puis, ils ont cette discipline voilà, pour que même nos enfants, autres ont travaillé, ils ont comprendre que Moussala, ils ont des Moussala, ils ont des blagues. Tant aux yeux engagement, il faut savoir respecter l'engagement aux yeux. Pour moi, en tout cas, c'est très facile. Olian regorge plus de 100 personnes pour bozo gérer. C'est facile. Charge à bongo, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de producteur, il n'y a pas. La musique en open bongo, ils en ont pété. Là, c'est une question adressée directement à Papa. Olian Musique. Ouais, ouais. Olian Musique, c'est d'abord une vision. Nous avons notre vision et nous voulons aller quelque part. Et quand vous voulez avancer quelque part, il y a certaines histoires, il faut d'abord faire le projet et quand l'argent va se voir, vous allez avancer rapidement. Ouais. Mais quand vous n'avez pas de projet et que vous avez l'argent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de projets qui ne marchent pas. Aujourd'hui, nous sommes en train de gérer ce groupe, c'est parce que quelque part, nous avons d'abord la première vision, c'est d'encadrer, de former et aussi de produire. Nous faisons une production en interne. Déjà aujourd'hui, on a fait deux singles, presque trois singles avec nos musiciens. Donc ça, c'est dans le cadre d'Olian et puis nous continuons. Et puis dans les jours à venir, il y aura d'autres projets que nous avons qui vont voir le jour. Voilà, pour tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce net moment, on sait très bien que demain, il y a un grand événement que vous êtes en train d'organiser. Qu'est-ce que vous allez dire Nabato Balingarabinomini? Surtout maman. Pour Nabato Balingarabinomini, on a concert demain, le 10 octobre. Je sais que soutien à Bango, soutien à Bino Yamakasi pour nous, c'est d'être là pour nous soutenir spirituellement, pourquoi pas, adorer ensemble avec nous et tout ça. Vous savez, na bengi si peuple de Dieu. Oyo nyon soza na pema. Oyo nyon soza na makasi na nzoto. Oyo nyon soza reconnaître que ce qui na za na bomo yeza nzambe. Na bengi si oya pour que tout kumisa nzambe ensemble. Vous savez que c'est pas facile du tout. Mais au moins, to koba kana ko sala. Ceux qui te sont mon appel d'encouragement et zozo de la biso. Donc tant que beaucoup y a dimanche, y a un monde qui déterminer vraiment ce qu'il faut te continuer nous salam.
yangonde vraiment ko déterminer parce que ça ne sert à rien au lobana musika tolinga groupe Olian j'aime beaucoup maman Anne papa Olivier mais le 10 octobre au vano nandako et biso to ya wana ozomi tuna est-ce que na sala choix mabe ya boye banzambe to na sala choix bien ko landa il vous arrive aussi des moments comme ça De se poser des questions ou yomukota mtupeza ozangi no pe ba réponse mais tu te poses intérieurement donc c'est poser des questions oui mais aussi d'échouer. On a organisé un concert quelque part où nous avons invité les gens et puis le concert batoyete oh batoyete yo le sala bino non non attendez je vous explique un peu voilà c'est quelque part où on avait fait un concert. On avait préparé ça en dehors de Kinshasa pendant 4 jours et nous sommes arrivés à 16h, la salle était archi comble. On a fait très bien notre concert puis c'est parti, c'est fini. Deux ans après, nous sommes revenus dans la même ville. On a fait une semaine de préparation et l'amphithéâtre là devait contenir plus de 4000 personnes. Et puis après, bon, on est venu de Kinshasa avec tout le groupe. Et puis, tout petit boy, moins de 100 personnes devant nous. Et dans les moins de 100 personnes, et Binomoko, vous voyez l'échec. Et puis bon, on remercie Dieu parce que ce moment-là est le kaki. Donc, voilà. Si vous êtes moins en Nzambe, si vous échouez Bongo, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut qu'on persévère, qu'on croire toujours que ça va aller mieux ou encore tu te mets, tu te dis ben je suis foutu. C'est pour cette raison que nous invitons les peuples de Dieu de venir demain parce que il y a une seule chose que Dieu fait bien, c'est quand il agit selon son temps. Et quand tu échoues aujourd'hui, cela ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Donc, au coup échoué, le lobby, il peut te faire réussir. Alors, demain, nous disons Matondo. Le concert s'appelle Matondo. Tu viens, tu dis merci. Même si Ozangi Lelo, tu viens, tu lui dis seulement merci. Parce qu'il est prêt à changer des situations en une seule journée. Le Seigneur peut changer des choses. Nous autres ici, on a fait 4 ans sans enfants. Parfois, Maman Dotel Abisso, même une fois, moi et madame, quelqu'un est venu, il a commencé à nous gronder. Oh! Mais il ne savait pas que une semaine plus tôt, elle venait de faire une fausse couche. Et nous, maintenant, vous voyez un peu, c'est Ozana Pota et quelqu'un vient encore qu'on se ça. Mais aujourd'hui, notre première fille aura bientôt 7 ans. Dieu est grand. Voilà, merci. Nous sommes presque arrivés à la fin. Batupena Bazebele. Batubaz est l'événement. Bisoumoko Petrozalana. Merci Petrozalana pour tout le monde ce que ça va donner. Et on va encore préparer une deuxième émission qui tourne au Bélango Soussou. À chaque fois, en tout cas, ma porte est grandement ouverte. Surtout parce que. Alors, entre peu de mots, qu'est-ce que vous allez dire? Na banana Nzambe surtout, batoupe balingue intégré, groupe, un numéro de téléphone par lequel on peut vous joindre. Donc voilà. Merci beaucoup d'abord de nous recevoir. Merci. Nous sommes dans la joie et nous avons besoin, c'est que Michel Aboué et Zala et Bélé, ça fait du bien. Merci. Notre contact, c'est le 0999 3 fois 27 26 02. Voilà. Nous sommes sur WhatsApp et les appels normaux, nous recevons à tout moment 039 27 26 02. Voilà. En tout cas, nous bénissons tous ceux qui sont en train de nous suivre et nous vous demandons de continuer à nous soutenir, de nous parler. Il y a certains qui nous font des remarques, il y a certains qui nous font des suggestions. Nous faisons que vous bénir et nous pensons que demain, vous serez là avec nous. C'est à partir de quelle heure déjà? À partir de 15h déjà, nous commençons. Et d'ailleurs, spécialement pour demain,
Il y aura des gens qui seront là pour vendre des sucrés et la nourriture. Okay. Parce que nous nous sommes dit, il y a certains, bah, où t'as bah, église. Au lieu de rentrer à la maison, tu vas trouver à manger avec un petit rien, voilà. Et la boisson sera là. Et après, nous allons élever le trône du roi de rois. Et même pour ces pays, le Seigneur nous fera du bien. Merci beaucoup. Merci, maman. Deux, trois personnes. Et vraiment, puis moi, à Capella. Bon, t'es belle na famille Oliane. En tout cas, tous au monde en dingue ni ni tous ça. Na ben wana tous au c'est la vraiment journal au binde ni ni koleka. Et na pessim bon t'es belle na corps du Christ. Boya topé sa matondie. Voilà, on peut se lever. On peut déjà se lever. Na mokolo na pe ma papa pesa ye matonde 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 kolo matonde to pesi matonde 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 kolo matonde na mobateli malamu matonde kolo matonde rendez-vous demain. Merci kaka na nzambe yango nde singeli. Merci. Voilà, voilà, nous disons un grand merci à toute la grande équipe donc de cette émission. Merci beaucoup à Maître Chang Kabiona, merci à Benjamin Luele, merci à Pedi Pereira, merci à Djibril, merci aussi à Gloire Kazadi, merci à tout le monde. Donc cette émission est dédiée à notre patronne, Madame Christelle Mabilou. Olingala Mama Anne, et je crois que Madame sera là, Madame Christelle Mabilou sera là. Je vous dis au revoir, donc restez toujours fidèles à nos programmes. Donc je vous retrouve à très bientôt avec un autre invité.